Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les ânes. Alors, faire les ânes en français, c'est une expression qui veut dire faire l'imbécile, faire le naïf, souvent pour obtenir quelque chose. Préparez-vous, c'est la blague la plus pourrie de l'année. Hein. Mais vous aurez au moins appris cette expression, faire les ânes. Okay? Alors, pourquoi je vous parle de faire les ânes Eh bien, euh, en français, il faut savoir que le cri de l'âne s'appelle le braiement. Le braiement de l'âne, on dit. Mots qu'on n'utilise absolument jamais. Okay? Et quand on fait l'âne, quand on imite un âne, on fait i-an. -en, -en. Vous me voyez venir les pronoms i et an. Le cri de l'âne, i-an. Oui, bah, il fait chaud dehors. Parfois, euh, ça ne vient pas pour faire une introduction. Parfois, on n'a pas d'inspiration. I, an, j'ai pensé au cri de l'âne. Je suis désolé, c'est pourri, ok, j'avoue. Bon, je, je, je vais boire un peu d'eau fraîche, je reviens et on développe plus sérieusement les pronoms I et en juste après ça. Ok A tout de suite. I, an, oh, c'est pas mal comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le français by Alex. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de la leçon, mais par principe, je voudrais juste vous recommander euh, cette leçon ici en haut à droite, vous pouvez cliquer dans laquelle je vous explique dans l'introduction pourquoi je fais volontairement des fautes d'orthographe dans le titre des leçons et dans les descriptions des vidéos. Voilà, c'est complètement volontaire, ne soyez pas étonnés. L'explication est dans cette leçon. OK Alors i et en, on peut les appeler pronoms Pronoms personnels complément, pronoms adverbiaux, adverbes pronominaux aussi. Peu importe le nom qu'on leur donne, l'important évidemment, c'est de connaître leurs utilisations. Alors, premièrement, on utilise I, donc Y, pour remplacer des prépositions de lieu comme à, chez, dans et en, plus le lieu. OK Exemple, elle va à Marseille demain. Elle y va avec son frère. Ou encore, j'ai bientôt rendez-vous chez le médecin. J'y vais mardi, je crois. Ou, ta sœur est dans la salle de bain. Dis-lui qu'elle se dépêche, s'il te plaît. Ça fait trois heures qu'elle y est. Ou encore, ils vont en Angleterre au mois d'août. Ils y resteront quelques jours. OK Donc, dans ces quatre phrases, i. Y, I, hein, remplace les prépositions a, chez, dans et en, plus le lieu concerné. Et on place toujours le Y entre le sujet et le verbe. Elle y va, j'y vais, elle y est, ils y resteront. Ok Alors bien sûr, si on utilise cette forme avec le pronom i, c'est pour éviter les répétitions dans une phrase ou donner une structure cohérente à un dialogue. Hein? Elle va à Marseille demain? Ah oui, elle y va toute seule? Non, elle y va avec son frère. OK? On ne va pas dire dans un, dans un dialogue, pardon, elle va à Marseille demain. Ah oui, elle va à Marseille demain toute seule. Non, elle va à Marseille demain avec son frère. Voilà On ne dit pas ça. On utilise le pronom i pour éviter les répétitions et remplacer la préposition plus le nom derrière. Deuxièmement, i remplace la préposition a plus un nom ou un groupe verbal avec les verbes construits avec la préposition a, comme les verbes penser à, s'intéresser à, participer à, être habitué à, se rendre à, partir à, aller à, etc. etc. Exemple, je suis habitué à faire la vaisselle. J'y suis habitué. OK Je vais à la plage ce soir. J'y vais ce soir. Il tient beaucoup à son vélo. Il y tient beaucoup. Nous allons participer à ce championnat. Nous allons y participer. Alors en pratique, on ne devrait pas remplacer une personne par le pronom y. Même si finalement l'usage commence à se généraliser, en fait, hein. on devrait dire elle pense souvent à son ami Patrick. Elle pense souvent à lui. Elle pense souvent à lui. Sauf que de plus en plus, on entend elle y pense souvent, comme si c'était une chose, alors qu'on parle d'une personne, on parle de Patrick. Ok Donc attention, mais bon pour vous, c'est bien de connaître les deux formules, évidemment passons maintenant au pronom en. Alors premièrement, en va remplacer la préposition de plus le nom avec euh, des verbes indiquant la provenance. Sortir de, revenir de, venir de, etc. Exemple, je reviens tout juste du supermarché. J'en reviens tout juste. OK Il est sorti du cinéma à 11h il en est sorti à 11h. OK Deuxièmement, l'utilisation de en pour exprimer une quantité indéterminée en remplaçant les articles du, de la et des. Exemple, dans l'ordre, hein. peux-tu me donner du pain, s'il te plaît Peux-tu m'en donner Veux-tu de la chantilly sur ta glace Oui, j'en veux bien. Oui, j'en veux bien. J'ai aperçu des dauphins cet après-midi. J'en ai aperçu cet après-midi. Alors, quand la quantité précise est exprimée, ça donnera Te reste-t-il beaucoup de cartes de visite Oui, il m'en reste une centaine. Il m'en reste une centaine. Veux-tu reprendre une part de gâteau Non, merci, j'en ai déjà pris deux parts. J'en ai déjà pris deux parts. Ok Troisièmement, en remplace la préposition de plus un complément avec les verbes construits avec la préposition de. Comme rêver de, parler de, s'occuper de, avoir besoin de, se souvenir de, etc. etc. Exemple, aurais-tu besoin de vacances Oh oui, j'en aurais bien besoin. Oh oui, j'en aurais bien besoin. Peux-tu t'occuper de ce dossier avant, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Oui, bien sûr, je m'en occupe. Ok? Donc quand un verbe est associé à la préposition de, eh bien en va remplacer cette préposition de ainsi que le nom qui suit la préposition. Alors vous avez remarqué, I, Y remplace la préposition A et en remplace la préposition de. C'est le même principe, mais chaque pronom réciproquement avec euh, les deux prépositions. Alors ça fonctionne aussi avec les adjectifs suivis de de. Être content de, être fier de, être triste de, etc. Exemple, il est content de son nouvel achat, il en est content. Je suis très fier de mes élèves, j'en suis très fier. Il est triste de devoir partir. Il en est triste. Il en est triste. Ok Voilà. Est-ce que les choses sont à peu près claires pour vous Dites-le moi en commentaire, surtout si vous apprenez des choses et si je m'exprime suffisamment bien. Alors, je vous propose un petit exercice pour mettre en application ce que vous venez d'apprendre. À vous de compléter ces phrases par i ou par en. D'accord Tu as obtenu de très bons résultats cette année. Tu peux mm, être fier. Tu peux mm, être fier. J'ai oublié ma sacoche dans ta voiture. Je vais regarder si elle mm, est encore. Je vais regarder si elle mm, est encore. As-tu lu beaucoup de livres en français Non, hélas, je Ai pas lu beaucoup non hélas je n'ai pas lu beaucoup Tu peux aller voir à la bibliothèque quand tu auras le temps oui tu as raison je vais mm, aller oui tu as raison je vais mm, aller Pour le moment je suis encore chez le dentiste mais je t'appelle dès que je sors mais je t'appelle dès que je Sort. Ok. Mettez la vidéo en pause si vous en avez besoin. Sinon, voici les réponses. Tu as obtenu de très bons résultats cette année. Tu peux en être fier. Tu peux en être fier. J'ai oublié ma sacoche dans ta voiture. Je vais regarder si elle y est encore. Je vais regarder si elle y est encore. As-tu lu beaucoup de livres en français Non, hélas, je n'en ai pas lu beaucoup. Non, hélas, je n'en ai pas lu beaucoup. Tu peux aller voir à la bibliothèque quand tu auras le temps. Oui, tu as raison, je vais y aller. Oui, tu as raison, je vais y aller. On fait la liaison, je vais y aller. Pour le moment, je suis encore chez le dentiste mais je t'appelle dès que j'en sors mais je t'appelle dès que j'en sors d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis j'espère que j'ai éclairci le sujet des pronoms i et en si vous avez des questions eh bien n'hésitez pas en commentaire je tâcherai d'y répondre évidemment ceux qui ont encore un petit peu de temps je vous recommande cette leçon vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran 5 euh, astuces pour ne plus faire d'erreur en français, très utile. Et si vous voulez avoir évidemment plus de contenu comme ça pour avoir l'air français en parlant, eh bien vous savez quoi faire, vous vous abonnez à la chaîne. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis à 20h, heure de Paris. Allez, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex.